Chers amis, chers collectionneurs, bienvenue à la galerie Yoko. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter ce remarquable Ekamuka Linga, œuvre et iconographie capitale et séduisante, mais aussi déroutante. Typique de la grande période Gupta, cette impressionnante sculpture de l'Inde du Nord, réalisée en grès rose, est datée du 5e siècle environ et mesure 36 cm de hauteur. Pouvant prendre différentes formes, le grand dieu hindou Shiva se manifeste ici dans son aspect fondamental, celui du Linga. Symbole phallique et stylisé du dieu, de forme cylindrique, il incarne sa force vitale et sa puissance créatrice. Cette représentation est ici enrichie du visage du dieu, apparaissant souriant et paisible, et donnant ce nom d'Ekamuka Linga. On retrouve ici la douce humanité si appréciée de la sculpture Gupta. L'expression méditative est très présente, avec une grande sensibilité dans le traitement des yeux légèrement proéminents, soulignés par des sourcils arqués et des paupières à demi baissées, d'un nez relativement large et de lèvres charnues. Il faut aussi noter la belle définition des mèches de cheveux tressées, ramenées en un chignon, celui typique des ascètes, et dont certaines tresses retombent derrière les oreilles parées de riches boucles. Son troisième œil frontal est encore visible et il porte un collier aux larges perles qui souligne l'arrondi gracieux des trois plis de beauté du cou. Installé dans un sanctuaire d'un temple dédié à Shiva, le lingam était utilisé principalement par des prêtres brahmanes qui accomplissaient des rituels en l'honneur du dieu en tant que créateur ultime du monde. Peu de lingams de la période Gupta et d'une telle qualité ont été conservés. Nous en connaissons un similaire au Victoria and Albert Museum de L'œuvre que nous vous proposons aujourd'hui provient de la superbe collection anglaise dont nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter plusieurs œuvres. Elle vous est proposée aujourd'hui au prix privilégié de 31 000 euros, frais de livraison et formalités douanières inclus. Nous vous remercions.